Hello. Alors, aujourd'hui j'étais en cours. Ça faisait au moins 10 jours que je n'y avais pas été. Mais là, il commençait vraiment à manquer un peu tout. Du coup, j'ai été dans mon petit carrefour de quartier et j'ai eu beaucoup de viande à moins 50. Voilà. Hop, j'ai montré le détail. Et puis plein de yaourts à moins 25. Franchement, c'était top. Donc, petit extra, on s'est pris un paquet de Frosties. J'en ai acheté deux boîtes dans l'année encore. J'ai pris ça aussi pour les enfants. Franchement, ça vaut pas le coup de faire du produit. Là, c'était 32 centimes les 6. Vu qu'on va faire l'anniversaire et qu'on va avoir des copains qui vont venir, j'en ai pris 4 packs. Ça, ils vont pouvoir jouer les gosses. Petit extra, on s'est pris du Yop. Donc, on s'est pris deux bouteilles parce que c'était en promo. Ça, ce sont les gâteaux secours pour les enfants. Ils adorent les petits lapinots de chez Carrefour. Et vu que c'est du français, ça me convient. Alors, en date courte, on a pris des mousses caramel, des mousses riz au lait vanille, des mousses riz au lait caramel. On a pris aussi des petits yaourts classiques nature parce que je vais lancer une tournée de maison. Et Ewen a voulu deux mousses au chocolat. J'ai aussi pris un petit caprice des dieux. De temps en temps, on est bien avec mon mari. Sur les offres Shop Miom, donc j'ai repris 3 jambons, donc x2. Donc ça va m'être entièrement remboursé grâce à ma cagnotte. J'ai repris 3 saucisses, puisque j'avais le droit à 3. J'ai repris 2 beurres bio. Voilà, puisque l'offre, c'est 2. J'ai repris 3 allumettes. Du coup, vu que ça a été encore reprolongé. J'ai pris les petits sandwichs pretzel et j'ai pris les crêpes waouh parce qu'ils en ont goûté un paquet la dernière fois, ils ont bien aimé. Donc vu que je pouvais en reprendre deux avec l'offre Shop Miom, donc ça j'ai pris, c'est que du Shop Miom. Donc ça va m'être déduit. J'ai 44,73 euros qui vont m'être remboursés. En extra aussi, j'ai pris des plats en alu chez Carrefour. Voilà, c'était une belle petite promo. Je vais en avoir besoin dans ma cuisine du bas. Après, en date courte, niveau viande, je me suis fait plaisir. Il y en avait vraiment. Il y avait un grand frigo double chez Carrefour qui était plein. Franchement, c'était trop bien. Donc, j'ai pris des grillades de porc, vu qu'on va faire un barbecue ce week-end normalement. Donc, j'en ai pris deux. Donc, saveur mexicaine. J'ai pris des brochettes comme ça de viande hachée. Donc, j'en ai pris deux aussi. Franchement, ça fait pas très très cher. Au kilo, ça fait 6 euros. J'ai pris des brochettes de porc. Donc, celles-là, elles sont nature, mais je pense que je les ferai mariner peut-être dans du miel ou de la sauce soja. Donc, ça faisait 5,83 le kilo. J'ai pris ça pour faire nos petits sandwichs avec Ewen. On aime bien le rôti de porc comme ça, de temps en temps. J'ai pris aussi des brochettes de dinde. Donc, ça fait 7,25 le kilo. C'est pas très très cher. J'ai pris deux steaks hachés charolais et j'ai pris un poulet label rouge, donc un poulet fermier. Et donc ça faisait plus que on voit pas le prix au kilo, mais ça fait pas très cher puisqu'il fait 1,5 kg. Je crois que c'est un 4,13 € au kilo. Je crois que c'est un 4. L'étiquette elle est défoncée, ouais, c'est ça, c'est un 4. Donc franchement, ça faisait pas cher le poulet. Je vais le mettre dans ma rôtissoire. Au total, j'en ai eu pour 111,39 €, en sachant qu'il y a 12 euros de t-shirt pour les enfants, parce qu'il y avait moins 80 chez Carrefour sur l'ancienne collection. Donc je leur ai pris juste quelques petits t-shirts parce que j'en avais pas assez. Et du coup, je vais me faire rembourser 44,73 € par Shop Miom, donc pour ça. Donc au total, pour tout mon panier, ça va me revenir à 66,66 €. En sachant que là, j'ai au moins 15 jours de viande, puisque nous, on n'en mange pas énormément. Donc, c'est vraiment très, très bien. Je vais aller mettre au congèle une bonne partie de la viande. Je vais garder le poulet qu'on va faire ce soir. Je vais garder le steak haché qu'on va peut-être manger ce midi avec Ewen, ou demain. On verra. Je vais voir ce qu'il a envie. Et puis tout ça, les brochettes et tout, je vais tout mettre au congèle. Ça, je peux garder dans mon frigo parce que du coup, c'est pas des dates courtes, donc ça dure assez longtemps quand même.
Et je vais ranger tous les yaourts, ça même si la date était passée, ça ne pose aucun problème. Je vous retrouve, j'espère pas avant 15 jours, pour un nouvelle petite vidéo course. Le plus tard possible sera le mieux.